Mais voilà quoi. Après, c'est comme ça. Hein. Après, si vous voulez prendre la mana et perdre vos games, moi ça m'arrange. Hein. Enfin, ça m'arrange, je m'en fous en fait. Parce que je vais pas rester, je suis pas plate. Hein. Ouais, faut stack sur les sbires, mais ça prend quand même pas mal de temps. On va go Sonia là, on go Sonia. S'ils prennent pas Sonia, c'est first pick, après c'est un autre pick, donc ça va. Du coup, ouais, je vais ban Maltev, c'est assez fort contre Sonia et tout. Donc, voilà. Nathan, tu penses que Diablo ça carry bien? Bah déjà, faut ban Maltel, je pense, si tu prends Diablo, c'est assez compliqué pour moi. Mais Diablo, ouais, c'est pas trop mal. Après, moi, j'ai toujours une tendance à avoir peur des Diablo, parce que ils vont infeed, hein, dans ma tête, ils vont infeed. Mais honnêtement, ces derniers temps, j'ai pas eu trop. J'ai eu des Diablo qui étaient plutôt forts. Donc, ouais, c'est pas mal, ouais. Hop, du Tu dirais que hors semaine de matchmaking pourri, il faudrait que de game environ pour certaines de plate quand tu as un niveau de diam ou supérieur. Diam ou supérieur, mais je ne connais pas ton niveau en fait. Genre moi je te dis, genre si on monte sur Master où j'ai joué Arthas ou mes picks les plus forts, c'est-à-dire Hammer, Anubarak et voilà. J'ai up en moins de 10 loose quoi. Enfin, j'ai up en commun en 9 loose, je crois, avec en comptant les map hackers. Vraiment, c'était un map hacker hein, qui a même peut-être été ban. Et en comptant, en enlevant le Leoric qui a infeed, il a été à 35 morts à la fin de la game. En enlevant ces games-là, j'étais à 9 loose même. Du bronze to master. Donc voilà, tout simplement. Mais après, ça veut rien dire, niveau diam ou supérieur en fait. Ouais. Ça veut absolument rien dire, parce que entre le diam 5 et le grand master, bah c'est, y a une différence qui est même pas soutenable en fait. Là, je suis à 15 lose. Ça reste correct quand même, 15 lose. Faudrait que j'arrive à up enfin master en moins de 30 loose, c'est pas mal. Ce serait quand même le minimum des choses. Ouais, j'ai failli carry avec la game avec le Heroic Infeed, ouais. Je jouais Thrall, je me souviens. J'avais pas Arthas cette game-là parce qu'il l'avait pris ou je ne sais quoi, ou il l'avait ban. Mais ouais, j'avais Thrall. Yo Arwen. Non, il y a des motos ou des trucs qui passent à côté de chez moi. Là, il y a Johanna et Diva, c'est des targets que je peux bah, taper tranquillement, donc c'est pas mal. Ouais, si mes mates avaient trust dès le début, j'aurais carry la game avec le Leoric qui infeed. Parce qu'elle était extrêmement chaude et mes teammates faisaient vraiment beaucoup de merde aussi. S'ils avaient trust et que s'ils avaient pas feed aussi un peu, ça serait passé. Ouais. Parce que j'étais vraiment presque 1v5, c'était assez horrible. Parce que quand on parle souvent de 1v5, c'est que vous avez des mates qui soak, etc. quand même. Mais là, j'étais vraiment presque 1v5. Et être 1v5, c'est compliqué quand même. C'est possible. Un mec, c'est comme sur LoL, un mec qui est challenger contre des bronze 5, tu peux presque 1v5. Mais enfin, tu peux 1v5 sur LoL. Enfin, je sais pas. En fait, ça dépend. Si les mecs te fight, tu peux 1v5. Mais si les mecs juste push les lanes, bah, tu peux pas 1v5. Parce que le temps que tu arrives sur la lane, c'est chiant. Après, vu que tu les one shot sur LoL, c'est pas pareil. Ouais, sur LoL, tu peux parce que tu les one shot. Ils push les lanes, mais tu les one shot.
parce que voilà, tu te feed, etc. et tu les one shot. Mais là, sur ce jeu, en fait, tu peux pas one shot les gens. Du coup, c'est compliqué. Bon, allez, on va se concentrer. On va se concentrer. Je prends quoi? Je prends bloc. Warpaint, je trouve ça assez faible sur Sonia. Et bloc contre Hammer, c'est fort. Salut Fourmise. Ouais, mais avec le loop de Chromie, c'est un peu trop long comme CD. Mais je crois que j'avais vu un Ryze 1v5. C'était Athènes, je crois, qui faisait ça. Je sais plus. Streamer. Il y a longtemps, il y a 4 ans, quoi. 4-5 ans. Bloc versus Diva. Ouais, parce que si je prends des coups de hammer qui vont dans mon bloc, c'est ultra worth it. Ah oui, en plate. Bah, le bon niveau commence à arriver en diam 2, diam 1. Et encore, ça reste situationnel le niveau. Mais ouais, voilà. Je prends un peu de rage, de furie. Rage, il fout lui. Ouais, ça sert à rien le burst que je lui ai mis. Putain, mais elle est chante, Diva, en fait. Ah, elle est casse-couille, en fait. Cool, c'est cool ta matrice. Vraiment cool. Enfin, ça m'intéresse de jouer contre toi. Oh. Elle a son escape, mais. Ah, tu peux pas mettre un truc? Dommage. T'avais juste à mettre un sort, un Z ou un Q avant. Pas la ramener, hein. T'as juste à mettre un petit auto-attaque. Et non. Il avait en fait, qu'est-ce qu'il devait faire ici? Il devait auto-attaque et après pull la diva quand elle était hors du mecha. Elle faisait auto-attaque et pull instant derrière. Elle pouvait pas esquiver le truc parce que la sortie mecha prend un peu de temps. Et voilà quoi. Tout simplement. Et là c'était un kill. Donc là un master aurait fait ça hein, normalement. Ce qui est pas dur à faire en soi. Hein. Mais il aurait fait ça. Et voilà. Contrairement à un plat. Pourquoi il se fait chase? Pourquoi il se fait chase le mec? Ouais. Mais pourquoi ils ont chase un Garrosh là en mode YOLO? Pas compris. Pas compris. Simple grab, ça pourrait être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Wow. Ouais. La diva, elle a fait un peu n'importe quoi. L'auto-attaque après la lance, c'est instant. Hein. C'est instant. Je peux pas la rater. C'est un peu cheaté d'ailleurs, je trouve. Ah, ça se cancel, le truc. Ah, ouais, c'est pas trop mal, franchement. Garrosh, c'est vraiment fort quand même. Enfin, comme ça, à bas niveau. Ça semble assez fort quand même. Je sais pas pourquoi elle va. Ouais. Oh, je me suis cancel ma lance, pas d'énergie. Oh là, c'est chiant. Le UTR qui m'a stun. J'esquive l'orbe. Là, vous dites c'est rien, mais c'est énorme hein, d'esquiver l'orbe. Ah, meurs! Oh, ouf, putain. Avant qu'elle remette son écart, elle a mal joué. Mais esquiver l'orbe ici en plein teamfight, c'est toujours important. Si hein. Vous arrivez à faire ça, c'est pas grave. Oh, putain. Oh, oh. Ah là là, unlucky. Du coup, je vais prendre des dommages. Je vais le laisser pull. Le pull. Non, il va se barrer. Ouais. Tu vas pas pouvoir l'avoir. Il est plus rapide que toi sur mon tour. Finally, a good team. Ouais, une team décente, ouais, qui se carry tranquillement, quoi. C'est clair. J'ai l'impression d'avoir une bonne team une fois sur deux en fait. Du coup, c'est un peu stuck en fait.
Alors une team qui se fait pas farm, quoi, tout simplement. Parce que je leur demande pas grand-chose, hein. Je leur demande de suivre un peu les tanks et de, voilà, de fuir quand ils se font tuer, par exemple. Oh, merde, oh la vache. Pourquoi elle s'est arrêtée comme ça? Oh, je suis un ritard. Putain, pourquoi elle s'est arrêtée comme ça, la liming? Elle s'est arrêtée, elle a pas balancé de sort, elle a rien fait. Plutôt, elle me quitte tout ça. Ouf. Sans mon coup de lance, son Q-spell de Garrosh passait pas. Et voilà. Plutôt le ki. Il le tue pas en fait. Merde. 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 Ah, tu vas par là. J'étais dans ma matrice défensive, donc il fallait pas que je balance mon truc avant. Merde, what? Putain, what? Ah, il faut... oh, merde, je vais mourir là. Elle va me dump. Oh, ça m'a fait des dégâts quand même. Je dodge. Oh merde, je suis entré dans les missiles. Putain, il me heal pas moi. Il me heal pas moi, ce bâtard. Putain, la Auriel qui me heal pas. Et le Garrosh qui est là. Ah, oh, le plat 3, c'est tendu quand même. Ah, oh, c'est tendu, putain. Ah, c'est Tendax quand même. C'est chaud. Plat 3, les gars. Plat 3, plat 3, plat 3. Ah, c'est Tendax de ouf. Le Garrosh est là, sans personne autour de lui. Le mec est full life, genre. Enfin, non, pas full life, 20% life. Et elle heal le Garrosh, quoi. Putain. Tendu, tendu, tendu. Tendu, tendu, tendu. Non, il y a un mec là, je pense. Non. Perse. Mais qu'est-ce que. Pourquoi ils viennent pas là en fait? Mais je vais me faire cancel, non? Ah, on est 10, donc ils viennent pas cancel. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est un concept. Ils fight, mais ils viennent pas cancel. Voilà, quoi. Voilà, quoi. Ouh, il a failli dodge, ce bâtard. Mais elle joue avec ses missiles, elle joue pas trop mal avec ses missiles, cette petite ligne. En même temps, c'est pour ça qu'elle joue missile. Parce qu'elle sait qu'elle les met pas mal, pas trop mal, je pense. Oh, boum! Elle va pas en voir. Par contre, là, ouais. Oh merde. La diva, elle prend cher quand même. Ah, il y a une cleanse quand même pas mal. Bon, elle est morte, mais. Oh, merde. Oh merde. Ah, toi, t'es plutôt rect, toi. Plutôt rect. Si elle dash. Si elle liming TP in, elle était morte. J'étais prêt à la recevoir. Si elle était en TP in, boum. Je la mettais une spear, elle était morte. Ouais, l'Ib c'est pas mal, mais bon. L'Ib c'est pas trop mal. Non, venez au boss, putain, bande de gens. Garrosh qui comprend rien. J'espère pour déjà ma rage du berserk un peu plus rapidement et pour avoir ma rage, enfin garder ma rage du berserk plutôt, pas l'avoir plus pas rapidement. Là c'est pareil, j'hésite pas à spear sur les mecs, spear sur les minions, je veux dire. Parce qu'il faut absolument que je spear. Parce que si je touche pas ma spire, je suis dégoûté. Dégoûté. Voilà. Ah fuck. Ah, s'il y a des sbires qui arrivent, c'est bon. Oh non, bon, arrêtez.
Oh, le taunt. Elle est morte. Hop. Il y a des hardcamps qui ont encore. Intéressant. On a 4 levels d'avance sur S3 et demi. C'est plutôt pas mal. On peut faire ça. La limite, non, c'est. Ouais, il nous aide à faire le camp, c'est bien ça. Nickel. Ah, what the fuck? Putain, les mecs sont vénères. Intéressant. Ah, merde, qu'est-ce que tu veux, toi? Le mec, il me balance, putain. Il me balance depuis tout à l'heure. Oh, ce combo quand. Ah, la meurt par contre. Non, il va pas mourir en fait. Parce qu'il va se faire heal par le UTR après. Aucun moyen d'y aller. Pas, on n'a pas de spear, nos spears arrivent là, mais. Oh la diva quoi. Ça sert tellement à rien, c'est vraiment. Je tue son mecha en deux sorts. C'est un peu débile. Oh merde. En fait. Backbot, c'est vrai que c'est pas très intéressant ce qu'on fait. On devrait aller au boss, je pense, ou faire des trucs. Qu'est-ce qu'il fait lui, mais. Ouais, on peut pas. Je peux pas, je peux tuer personne ici. Je te dis une shield forcée quand même. Ah, mon tourbillon. Ah, je suis toujours sur le tourbillon. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Mais non, mais arrête ça, toi. Arrête ça, le mec qui me balance à chaque fois dans la mêlée. Vas-y, Sonia, va mourir, putain de bâtard. Putain de bâtard. Si. Il a envie que je meure, en fait. Il a envie que je meure. Tank ou comment ça se passe? Ah, tu veux que je tank avec mes 2 HP? Ça a sens. Fait sur un shot, du coup il est obligé d'aller à la base. À la base, c'est un lucky tout ça. Ah, d'accord, intéressant. Ah, ah oui, d'accord, il est arrivé devant moi. Bon, oh, j'ai ma rage du coup qui est reset. Ah, tu veux me tuer, c'est ça? C'est un lucky tout ça. Oh non, ils vont me tuer. Oh, ils vont me tuer! Ouais, bah là, ouais, mes mates. Ouais, mes mates sont quand même. Ben, ils sont bons, quoi. Enfin, ils sont. Ouais. En fait, j'ai l'impression que les gens en plate, soit ils se full suicide, soit ils. Ouais. Genre, à partir du moment où ils meurent une fois, ils vont remourir très rapidement, quoi.